1934. À la mort du président Hindenburg, Adolf Hitler prend les pleins pouvoirs en Allemagne. Il se rend à Venise pour rencontrer Mussolini, quitte la Société des Nations et tente de s'emparer de l'Autriche. Le 9 octobre, le roi Alexandre Ier de Yougoslavie est à Marseille. Au moment où son cortège s'engage sur la Canebière, un nationaliste croate fend le service d'ordre. Le roi est tué sur le coup, cet attentat va provoquer une crise européenne. Cette même année 1934, à Glasgow, 200 000 personnes assistent au lancement du plus grand paquebot du monde, le Queen Mary. À Chicago, la foule se presse aussi pour apercevoir John Dillinger, l'ennemi public numéro un. Il vient d'être capturé après une fusillade. Arrestation toute provisoire puisqu'il s'échappera très peu de temps après. Le 23 mai au matin, une Ford roule à vive allure sur une route de campagne en Louisiane. Cachés derrière des buissons, six hommes armés sont aux aguets, prêts à tirer. La Ford est occupée par deux malfaiteurs dont les têtes sont mises à prix. Quand la voiture arrive à leur hauteur, les guetteurs font feu. En moins de deux minutes, ils tirent 150 balles. La voiture, criblée de projectiles, s'arrête en dérapant. À l'intérieur se trouvent les corps ensanglantés de deux des hors-la-loi les plus recherchés d'Amérique, Bonnie Parker et Clyde Barrow. Les deux amants ont été traqués par la police dans une demi-douzaine d'États au cours d'une longue et violente cavale faite de vols de voitures, de braquages et de crimes. La nouvelle fait immédiatement la une des journaux et se répand dans le monde entier. En deux années à peine, Bonnie et Clyde sont devenus un duo de légende craint et haï par beaucoup, respecté et même idolâtré par d'autres. Malgré le nombre colossal de leurs victimes et la notoriété dont jouissent un temps leurs exécuteurs, Bonnie et Clyde sont considérés comme de véritables héros. Leurs corps nus et ensanglantés sont exposés et même filmés. Bonnie Parker n'a que 23 ans. Clyde Barrow en a 24. Les deux amants semblaient être imperméables aux jugements moraux que la société portait sur eux. Clyde Barrow est né le 24 mars 1909 à Tellico, au Texas, près de Dallas. Sixième enfant d'une famille qui en compte huit, cet admirateur du bandit Jesse James connaît une scolarité des plus brèves. Pour subsister, ses parents sont contraints de travailler sans relâche. Sa sœur Nell l'élève donc. À 9 ans, il fait régulièrement l'école buissonnière et commence à voler. Il est placé en maison de correction. La ville de Tellico se situe dans une grande région de plaine qui fut dévastée par la sécheresse dans les années 30. C'est pour cette raison que les deux tiers de la population locale vont émigrer. Comme eux, le père de Clyde quitte sa petite ferme. Il achète une station-service à Dallas. Clyde espère que ses cambriolages et autres vols de voitures lui rapporteront suffisamment pour faire vivre sa mère. Mais dès l'âge de 17 ans, il a des ennuis avec la justice. En octobre 1929, alors qu'il conduit une voiture volée aux côtés de son frère Buck, ils sont pris en chasse par la police. Buck est arrêté et condamné à 5 ans de prison pour une longue liste d'infractions. Clyde parvient à s'enfuir. Quelques semaines plus tard, alors qu'il se cache chez une amie, Clyde rencontre Bonnie Parker. Elle devient sa maîtresse et ne tarde pas à le présenter à sa mère. Bonnie a alors 19 ans. Elle est vive et mince, drôle et intelligente. Clyde tombe immédiatement sous son charme. Bonnie est née à Rowena, au Texas, un an après Clyde. Son père décède quand elle a 4 ans. Elle part alors vivre avec sa mère et ses frères et ses sœurs chez sa grand-mère dans une banlieue défavorisée de Dallas. Bonnie et sa sœur Billy se marient toutes les deux très tôt avec de petits escrocs. Bonnie n'a que 16 ans quand elle épouse Roy Thornton. Sur cette photo datant de son incarcération en 1929, Roy Thornton est debout à gauche, près de Bud, le beau-frère de Bonnie. Un an après leur mariage, Roy commence déjà à s'éloigner du domicile conjugal. Bonnie devient serveuse dans un café de Dallas. Au début de l'année 1930, Clyde s'installe chez Bonnie. Le lendemain de son arrivée, la police vient l'arrêter. Il est condamné à 2 ans de prison ferme pour vol de voiture et 12 ans avec sursis pour cambriolage. En mars 1930, quelques semaines avant que Clyde ne soit envoyé à son tour au pénitencier, son frère Buck parvient à s'en évader.
Pendant sa cavale, Buck épouse Blanche, une jeune femme de l'Oklahoma qui ignore tout de son passé de gangster. Quand Buck lui avoue qu'il est en fuite, elle lui demande d'aller se rendre. Sitôt incarcéré, Clyde tente de s'échapper. Le 11 mars 1930, Bonnie lui apporte un Colt 32, avec lequel il s'évade le soir même en compagnie de deux autres détenus. Mais il est repris une semaine plus tard après un cambriolage raté à Middletown. Il est alors envoyé au pénitencier de Huntsville pour y purger 14 années de prison ferme. Son frère le rejoint en décembre 1931. Le 8 février 1932, Clyde est mis en liberté conditionnelle. Il est devenu un criminel endurci, animé d'une haine implacable à l'égard de la loi et de ses représentants. Aux États-Unis, encouragé par la prohibition de l'alcool, la criminalité et le banditisme sont en plein essor. Même les petites villes sont atteintes par ce phénomène avec des hors-la-loi comme John Dillinger. La dépression qui fait suite au krach boursier d'octobre 1929 étrangle l'Amérique. 3,5 millions de familles vivent dans la charité publique et il n'y a pas d'emploi pour les anciens prisonniers sans qualification. En 1934, le nombre de chômeurs s'élève à près de 11 millions. Beaucoup d'Américains considèrent les braqueurs de banque comme des héros. En s'attaquant aux symboles de la richesse, ces gangsters luttent à leur manière contre la pauvreté et la misère. Clyde Barrow a beau promettre à sa mère de tout faire pour rentrer dans le droit chemin, il doit se rendre à l'évidence. Ça lui est tout simplement impossible. Fin mars 1932, Bonnie accompagne Clyde pour effectuer un hold-up à Kaufman, au Texas. Mais elle est arrêtée par la police et incarcérée pendant 3 mois. Pendant ce temps-là, Clyde se lie avec un jeune gangster, Raymond Hamilton, que l'on appelle Ray. En avril, ils attaquent ensemble une bijouterie, tuent son propriétaire et s'emparent d'un butin d'une valeur de 2 500 $. Clyde et Ray errent ensuite d'état en état, vivant de vols de voitures et de petits cambriolages. Le 17 juin, Bonnie Parker est relâchée. Lorsqu'elle rejoint Clyde, leur notoriété s'est considérablement étoffée. La presse les présente comme des amants romantiques, voyageant, volant et assassinant à travers le Texas, la Louisiane, l'Oklahoma, l'Arkansas et le Missouri. Bien entendu, la réalité de ce couple est un peu plus complexe. En prison, Clyde a découvert sa bisexualité. Avec Bonnie et Ray Hamilton, lui aussi bisexuel, ils forment un couple à trois hors du commun. Durant l'année 1932, ils sillonnent le sud des États-Unis. Quiconque se met en travers de leur route est assassiné ou enlevé. Dans cette seule année, à l'occasion de hold-up ou de vols répétés d'armes et de voitures, ils tuent 4 personnes. Hamilton est arrêté alors qu'il se rend dans sa famille pour fêter Noël. C'est pour le remplacer que William Jones, un gamin de 16 ans qui connaît Clyde depuis toujours, est recruté par le gang Barrow. Dans l'après-midi de Noël, alors qu'il initie l'adolescent au vol de voiture, Clyde abat le propriétaire d'une Ford. William Jones est également présent lorsque Clyde tue le shérif adjoint de Dallas, qui avec des policiers encercle la maison où se cache le gang. Buck Barrow est libéré en mars 1933. Accompagné par sa femme Blanche, dont l'inquiétude et les pleurs semblent ne vouloir jamais cesser, il va retrouver Clyde, Bonnie et William. Pour reprendre leurs activités, les membres du gang Barrow doivent faire l'acquisition de nouvelles armes. Ils cambriolent l'armurerie fédérale de Springfield, dans le Missouri. Ils attaquent ensuite une banque à Kansas City. Pendant que la police les recherche en vain dans 6 États, ils font un saut à Dallas pour voir leur famille. Puis ils reprennent le travail. Après avoir cambriolé une bijouterie, ils louent une maison dans le Missouri. Un voisin qui les aperçoit en train de transporter des armes appelle la police. Celle-ci fait une descente chez les Barrow. Après avoir tué 2 des policiers, les gangsters parviennent à s'enfuir. Cette nuit-là, ils parcourent les 600 km qui les séparent du Texas. Jones est légèrement blessé à la tête et Clyde au bras. Bonnie parvient à lui extraire sa balle à l'aide d'une épingle à cheveux. Contrairement à ce que laisse penser leur réputation, les sommes que vole le gang Barrow sont modestes. Les gangsters commettent leur plus gros hold-up en juin 1933 dans une banque du Minnesota. Le butin n'est que de 2 500 $. À ce propos, John Dillinger n'est pas tendre avec Bonnie et Clyde. « C'est une paire de voyous », dit-il. Il donne une mauvaise réputation aux braqueurs de banque.
Alors qu'il conduit comme à son habitude à toute allure, Clyde s'aperçoit trop tard que le pont devant lui est fermé. La voiture bascule dans le vide et s'enflamme. Clyde et William en sortent indemnes, mais Bonnie est grièvement brûlée. La réticence que Clyde manifeste à appeler le docteur éveille les soupçons des fermiers qui ont recueilli Bonnie. Il téléphone à la police. Quand deux policiers arrivent, Bonnie, Clyde et William Jones les prennent en otage et s'enfuient à bord de leur voiture. Après avoir franchi la frontière de l'Oklahoma, ils abandonnent les policiers en les ligotant à un arbre. Puis ils décident de se poser quelque temps. Bonnie commence à peine à récupérer de ses brûlures quand le gang se trouve forcé, suite à un hold-up qui s'est terminé par la mort d'un policier, de reprendre la route à travers le Kansas, l'Iowa, le nord du Texas et le Missouri. Le 19 juillet, ils échappent de justesse à un barrage de police dans l'Iowa. Mais Clyde est touché et une balle traverse le cou de Buck. Ils repartent. Moins d'une semaine plus tard, ils sont encerclés par une cinquantaine de policiers armés alors qu'ils sont en train de camper sur une aire de pique-nique. Bonnie, Clyde et William parviennent à s'enfuir en traversant une rivière à la nage, puis à s'emparer d'une voiture. Mais Buck, touché dans le dos, s'est écroulé. Quand les policiers l'approchent, Blanche est à ses côtés. Comme le montre cette photo prise quelques minutes plus tard, les policiers ont dû l'arracher à lui. Buck décède 5 jours après la fusillade, sans que Blanche ait le droit de venir à son chevet. Jugée en septembre à Platte City, elle est condamnée à 10 ans de prison. En novembre 1933, le shérif Smoot Schmidt et plusieurs de ses hommes tendent une nouvelle embuscade à Bonnie Parker et Clyde Barrow sur un chemin près de Dallas que les gangsters doivent emprunter pour rejoindre leur famille. Au moment de les arrêter, le shérif leur donne une dernière occasion de se rendre. Mais le couple en profite pour s'échapper au milieu de la fusillade. Furieux, le shérif donne l'ordre à ses hommes de les ramener, morts ou vifs. Manny Gault, Frank Hammer, Ted Hinton et Bob Alcorn sont tous les quatre détachés avec pour unique mission mettre le couple hors d'état de nuire. Ted Hinton possède un avantage. Il a connu Bonnie quand elle était serveuse et a travaillé comme Clyde en tant que télégraphiste à Dallas. Un matin de janvier 1934, Bonnie et Clyde pénètrent dans le pénitencier d'Eastman et libèrent 5 détenus, dont Raymond Hamilton. Au cours de l'opération, un gardien est tué. Les rangs du gang Barrow s'élargissent. Outre Ray Hamilton, Joe Palmer, Henry Medvin et James Mullen restent quelque temps aux côtés de Bonnie et de Clyde. Mullen quitte le gang un mois après l'avoir intégré. Des tensions importantes commencent à apparaître au sein du groupe, notamment lorsque Mary O'Dare, la petite amie de Ray, se joint à eux. Clyde et Bonnie ne supportent pas la cohabitation avec cet autre couple, d'autant que Ray a été dans le temps leur amant. Les tensions s'exacerbent lorsque Ray exige que Mary récolte elle aussi sa part du butin amassé au fil des attaques de banque. Pendant que la presse continue à faire ses gros titres sur les exploits du gang Barrow, la répartition du butin entraîne d'amères disputes au sein du groupe. Clyde accuse Ray Hamilton d'avoir empoché plus que sa part. Le 6 mars, celui-ci part avec sa compagne pour Dallas. Craignant que Ray les trahisse, Clyde et Bonnie les suivent, bien décidés à les tuer dès que l'occasion se présentera. C'est à cette période que Frank Hammer, un chasseur de primes, entre en piste. Il est engagé par le directeur du pénitencier de Huntsville pour capturer le couple de fugitifs. Le 1er avril 1934, un événement survient qui suscitera un renversement de l'opinion publique. Ces images proviennent d'une reconstitution réalisée peu après les événements. Bonnie et Clyde avaient carrément donné rendez-vous à quelques-uns de leurs complices près de Grapevine, au Texas. En les attendant, ils avaient bu du whisky, fait l'amour et tiré sur des oiseaux pour s'entraîner. Ils furent repérés par 2 policiers de la route qui décidèrent d'aller voir de plus près. Ils arrivèrent près de Bonnie et Clyde sans avoir la moindre idée de leur identité. En réalité, le gang fait le guet pour coincer Ray Hamilton et le tuer. C'est Henry Medvin, qui n'apparaît pas dans ce film, qui ouvre le feu sur les policiers. Sans raison, sinon pour s'en donner à cœur joie, Clyde et Bonnie tirent à leur tour. Ce meurtre abominable a signé la ruine de Bonnie et Clyde.
La gratuité qui accompagne ce double assassinat retourne l'opinion publique contre le couple. Les héros de légende deviennent les ennemis publics numéro un. Les citoyens sont sensibles à la prime qu'offre la police pour leur capture. Ray Hamilton est arrêté en 1934 et condamné à 362 ans de prison. Suite à un deuxième procès pour le meurtre d'un gardien, il est condamné à la peine de mort, mais il parvient à s'enfuir. Il est repris 9 mois plus tard, le 10 mai 1935, il meurt sur la chaise électrique. Les policiers envoyés sur les traces de Bonnie et Clyde sont bien décidés à en finir une fois pour toutes. L'équipe est menée par Frank Hammer, ici avec un chapeau sombre. Au cours de sa carrière de chasseur de primes, celui-ci a déjà tué 60 hors-la-loi. À ses côtés, on retrouve son adjoint, Manny Go, ainsi que Ted Hinton et Bob Alcorn de Dallas. Le gang Barrow met le cap sur le nord-est, l'Oklahoma. C'est justement dans cet état, à Duvent, plus exactement, que les hommes de loi repèrent Bonnie et Clyde. Mais ils préfèrent ne pas ouvrir le feu par crainte de toucher des passants. 2 jours plus tard, dans le nord-est de l'Oklahoma, 2 policiers s'approchent d'une voiture suspecte. Cal Campbell est abattu et son collègue Percy Boyle, légèrement blessé à la tête, est pris en otage. Le gang le retient 24 heures avant de le relâcher sain et sauf. Boyd déclare que Clyde se prenait vraiment très au sérieux et dit de Henry Medvin qu'il est sûr de lui et suffisant. Selon Boyd, cette photo ne correspond pas du tout à Bonnie. La jeune femme elle-même regrettait d'avoir posé avec un cigare dans la bouche. Dans la vie, elle n'en fumait pas. Toujours selon Boyd, cette photo est nettement plus ressemblante. Il dit également que Bonnie semblait très éprise de Clyde. Dans la voiture, elle transportait un lapin apprivoisé baptisé Sonny Boy qu'elle projetait d'offrir à sa mère. Munis de ces indices, les policiers repartent en direction de Dallas, où Bonnie et Clyde doivent participer à une réunion de famille. Un jour, Bonnie confie à sa mère, « Quand ils nous tueront, personne n'a intérêt à dire de mal de Clyde. » Les 4 policiers espèrent que la fatigue finira par gagner le gang Barrow et qu'il amènera les gangsters à commettre une faute fatale. Lorsqu'ils apprennent que la voiture des fugitifs a été repérée devant un café en Louisiane, Hinton est certain qu'ils se rendent chez le père d'Henry Medvin qui possède une petite plantation de coton non loin de là. Hinton, l'un des 4 policiers, croise Clyde Barrow au volant de sa Ford V8, mais il préfère ne pas prendre le risque d'une poursuite. Il sait que sa proie viendra bientôt se jeter dans la gueule du loup. Le 21 mai, ils sont 6 représentants de la loi à guetter depuis le haut de la route menant à la ferme Medvin, l'avenue des amants assassins. Cette reconstitution des événements a été réalisée quelques jours plus tard. Elle présente une vision quelque peu idéalisée de la longue et pénible attente qu'ont vécu les 6 policiers dans la chaleur et les piqûres de moustiques. Ces policiers sont restés à l'affût sur cette route pendant 3 jours et 2 nuits, mais Bonnie et Clyde se méfiaient. Le 23 mai, les policiers arrêtent le père d'Henry Medvin. Ils l'attachent à un arbre avec des menottes, puis abandonnent son véhicule sur le bas-côté afin qu'il serve d'appât. Pourtant, ce matin-là, leur 6e sens n'avertit pas Bonnie et Clyde de la présence des policiers. À 9h15, les policiers voient s'approcher une Ford V8 marron. Attention les gars, on dirait leur voiture. Hinton est le premier à reconnaître Clyde qui est au volant. C'est ça, c'est bien lui. Préparez-vous. Clyde aperçoit la camionnette de Medvin et ralentit. Au même moment, les policiers ouvrent le feu. C'est lui, les gars. Attention. Allez-y. Criblée de balles, la voiture finit par s'arrêter. Les images que nous voyons maintenant ne sont pas une reconstitution. Elles ont été prises quelques minutes après la fusillade.
Voici Clyde Barrow et Bonnie Parker. Ils sont morts comme ils ont vécu, par les armes. On voit Bonnie effondrée contre Clyde. Clyde était un tireur hors pair. On n'avait pas beaucoup de chances de s'en tirer si Clyde dégainait le premier. Bien qu'il y ait eu un pistolet et un fusil chargé sur le plancher de la voiture, ils n'ont pas été cette fois-ci d'une grande utilité. En quelques heures, le lieu de la fusillade se remplit d'une foule de curieux. Un défilé de 50 voitures accompagne la Ford chargée des corps jusqu'au dépôt mortuaire d'Arcadia, où ils doivent être exposés. Il faut entourer la voiture d'une clôture pour empêcher les amateurs de souvenirs macabres d'arracher aux héros défunts des fragments de vêtements ou des mèches de cheveux. Sur la banquette arrière, les policiers trouvent 3 mitraillettes, 2 fusils, une douzaine de pistolets et 1 millier de cartouches. Les hommes qui ont traqué le couple meurtrier sont acclamés comme des héros nationaux. Au dépôt mortuaire d'Arcadia, la foule se presse pour voir de près les cadavres célèbres. Des caméramans filment même pour prouver qu'ils sont bien morts. La dépouille de Bonnie, exposée à Dallas, attire 40 000 curieux. Celle de Clyde, exposée dans un dépôt mortuaire distinct, en attire 30 000. La foule peut également voir la veste de Clyde 30 fois trouée par les impacts des balles et son revolver qui porte 7 entailles, une pour chaque homme qu'il a abattu. Vingt parents et amis accusés d'avoir hébergé le couple pendant sa cavale se retrouvent devant un tribunal pour être jugés. Les hommes sont enchaînés les uns aux autres. Les femmes, elles, ne sont pas considérées comme dangereuses. William Jones, déjà condamné à 15 ans de prison, écope de 2 années supplémentaires, et Henry Medvin reçoit une condamnation à perpétuité. Il ne purgera en réalité que 10 ans. Mary O'Dare et Billy, la sœur de Bonnie, sont condamnés à 1 an et 1 jour de prison. Les deux mères passent également en jugement. Leur avocat plaide que l'amour maternel a priorité sur la loi et parle de l'infirmité de Madame Barrow. Le juge n'est pas convaincu. Pour avoir protégé des criminels, il condamne chacune des deux mères à 30 jours de prison. Clyde est enterré auprès de son frère Buck au cimetière de West Dallas. La plus grosse couronne mortuaire est envoyée par les crieurs de journaux de la ville. Malgré son désir de reposer aux côtés de Clyde, l'enterrement de Bonnie a lieu au cimetière Fish Trap de Dallas. Pendant sa cavale, Bonnie écrivait des poèmes et en envoyait certains aux journaux. Celui-ci est assez prophétique. Il ne se croit ni trop coriace ni trop désespéré. Ils savent que la loi gagne toujours et avant tout. Ce n'est pas la première fois qu'ils se font flaguer. Ils savent que la mort sera sûrement au rendez-vous. Un jour, ils se feront descendre ensemble et c'est côte à côte qu'on enterrera leurs corps. Qui les regrettera? Pas les flics, il me semble, mais Bonnie et Clyde sont unis jusque dans la mort. Le chagrin de leur famille, les légendes qui naîtront plus tard de leur histoire et l'incroyable épitaphe gravée sur la tombe de Bonnie, comme les fleurs sont rendues plus sucrées par le soleil et la rosée, ainsi ce vieux monde est rendu plus brillant par les êtres tels que toi. Tout cela ne doit pas masquer que Clyde Barrow et Bonnie Parker ont été deux des plus endurcis et des plus impitoyables tueurs d'Amérique.